Tu l'as, Robin, comme ça? La situation, elle est inquiétante. On a là analysé le rapport du Sénat. On partage un certain nombre de constats, mais notre inquiétude, c'est que les recommandations du Sénat ne vont pas être suffisantes, d'abord pas suivies par le gouvernement, et pas suffisantes pour imposer aux industriels de respecter la santé des travailleurs et des riverains. Et donc aujourd'hui, on craint un nouvel épisode Lubrizol dans l'agglomération de Rouen ou dans l'agglomération Havraise. Sur la question de la présence d'un toit